Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire un délicieux dessert. C'est la crème au caramel. Alors, les ingrédients seront... Alors, première étape, c'est de faire le caramel. Alors, pour faire le caramel, on va prendre le sucre et le mettre dans une poêle. Et ça va être bon jusqu'à ce qu'il fonde. Que le sucre se met en caramel, on va mettre tous les autres ingrédients dans un mixeur. Alors, je vais mettre les autres ingrédients. Et toutes les quantités. On essaie de tout mettre. Vous pouvez utiliser une spatule pour vous aider. Après d'avoir mis le lait évaporé, on va mettre, pour finaliser, de la vanille. Après de l'avoir mis de la vanille, on le ferme et on va le mixer pendant une minute. Après d'avoir mis que le caramel soit parfaitement bien, on va le mettre dans un petit plat et on le verse là-dedans. Alors, s'il en reste un peu, tu peux t'aider par une spatule. Et on le met en l'étant dans toute la partie. Attention de ne pas vous brûler avec le caramel. Quand le caramel a pu durcir, on va mettre le mélange là-dedans et on le met au complet. Après avoir fait ça, tu vas mettre dans un plat plus grand et tu vas mettre de l'eau. Quand c'est fait, tu vas le mettre au four, et si tu n'es pas capable, tu peux demander à un adulte de t'aider. Alors maintenant, on va mettre à 350 degrés à 45 minutes. Après 45 minutes, on le sort du four. Demandez à un adulte de le sortir pour vous. Alors, après qu'il soit refroidi, on va mettre un plat plus grand et on le met par-dessus et on va le retourner. Waouh! Voilà le résultat! Ça sent tellement bon! Allons y goûter maintenant. Délicieux. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, commenter, de t'abonner et d'appuyer dans la petite cloche de notification dans toutes pour rater aucune de mes vidéos. Alors, on se revoit à la prochaine. Ciao !